Feu. Ah ben dites donc, c'est la place du village. Ah ben c'est bien ça, la place du village, avec les frères de Paris. T'es trop de Paris, t'es trop. Ah oui, forcément. J'avais entendu dire que l'habite Mont-Blanc, la place du village, ça n'est pas fort passé un temps. Hein. Elle a marché beaucoup moins bien. Hein. Ben oui, forcément. Hein. Mais c'est reparti comme à 14-18. Ah, ben, ça fait plaisir. Hein. Ben oui. Alors, ça m'arrange de vous voir là parce que j'ai deux, trois petites choses à vous raconter. Oui. Vous voulez bien? Oui. Oui. Il dit oui. Ben, évidemment. Vas-y. Il est bête. Hein. Alors voilà, donc, ça m'est arrivé des bricoles à Cruseuil, vous savez, l'autre jour, je me suis fait arrêter par la police. Alors, j'ouvre ma fenêtre, le gars me regarde et il me dit « Bonjour monsieur, gendarmerie nationale ». J'ai dit « C'est bien fait pour toi, t'avais qu'à aller à l'école ». Il n'était pas content, mais non, forcément. Hein. Alors, il me dit « Dites non, allez te faire le malin, vous l'avez pas vu le feu rouge là ?» Je dis « Mais forcément que si, monsieur l'agent ». Mais c'est vous que j'avais pas vu. Alors là, encore moins content qu'il était. Alors j'ai dit, non, monsieur l'agent, il faut que je vous dise quelque chose. Je suis daltonien. Il m'a dit, daltonien, vous foutez de moi en plus? Ah ben non, monsieur l'agent, je n'oserais pas. Hein. Il me dit, dites donc, vous allez me faire croire qu'il n'y en a pas des feux en daltonie? Qu'il me dit. Il était pas malin, non. Enfin voilà, c'est pour vous dire que si vous vous faites arrêter par les gendarmes, il faut leur chanter une petite chanson, hein. Je vais vous la chanter, vous êtes d'accord? Oui. On y va. Allez, on t'écoute. Attention, la technique du gendarme. Doit avoir de très beaux pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir est surtout, c'est de la tactique, de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme, sa tactique est un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, celle de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir un grand tour, les yeux en face des trous. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, celle de bien observer sans se faire remarquer. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque, alors venant de ce pas tout, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les voleurs d'auto, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Les gens disent, allez, gendarme, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car pensez, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique la tactique du gendarme. C'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit interpolace. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Eh oui, c'est ça la tactique du gendarme, hein. Vous comprenez, monsieur de Paris, hein. Il est malin pour finir, hein. Il comprend tout, hein. Il comprend tout du premier coup, la troisième fois, hein. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. Et ben voilà.
Merci, bravo pour l'interview.